super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou les loulous. Alors, coucou les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle dégustation. Dégustation de produits américains. Américains, oui. Et si vous avez vu la dernière fois lors du Le sol c'est de la lave, nous sommes rentrés dans un magasin qui s'appelle Glups et on a acheté des bonbons. Voilà, et ça vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, donc on préparait une dégustation en même temps. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons là donc? Deux Fanta, Il y en a 5 de canettes. Il y a 5 canettes, oui, de goûts différents que nous n'avons pas en France. Après, il y a des bonbons qui changent de couleur, des chewing-gums, des pretzels au chocolat. Pour les papas. C'est quoi? Non. Pour les papas. Ça, c'est une espèce de réglisse, c'est de la réglisse comme ils ont normalement, c'est un grand bar. En fait, là, c'est coupé en petits bouts à la cerise. Ça, c'est quoi? Alors, ce sont des bonbons à la cannelle. Ça c'est quoi? C'est un peu comme les manteaux. Des brosses à dents. Oui, je pense, oui. Une brosse à dents géante. Non, mais arrête, ça c'est nos bonbons préférés. Oui, ça, alors ça ce sont les Nerds, mais Rop. On n'a jamais goûté en forme de bar, mais on avait déjà goûté dans d'autres vidéos. Après, il y a des bonbons aux fruits. Voilà, des bonbons aux fruits. Et après, il y a des Tic Tac à la noix, à la piña colada. Voilà, et qu'on n'a pas en France non plus. Donc bien sûr, ce sont tous des produits qu'on ne trouve pas, que nous ne trouvons pas en France. À part dans certains magasins spécialisés, notamment comme celui de Nîmes. Oui. Alors, par quoi est-ce que vous voulez commencer les bonbons? Par ça? Je préférerais commencer par ça, moi. Alors, on va commencer par ça, ensuite on suivra par ça, d'accord? Je vais l'ouvrir. D'accord. On ne sait pas du tout ce que c'est. Alors, ce sont des Gops Trooper. Je ne connais pas du tout. Alors, le monsieur du magasin nous a bien gentiment expliqué ce qu'étaient ces produits. Donc, ça, apparemment, ce sont des bonbons qui changent de goût au fur et à mesure qu'on les mange et qui changent de couleur. Donc, on va goûter ça. Ça change pas de forme. Non, ça change pas de forme. Là, il y a une petite encoche. C'est des bonbons magiques. Ah oui. Il y a une petite encoche pour ouvrir. Hé, c'est des bonbons magiques. Oui, c'est des bonbons magiques. Alors, on va pousser ça de là. Hop. Imagine des bonbons qui changent de couleur et qui changent de goût. N'importe quel bonbon. Alors, est-ce que tu t'en sors? Oui. Très bien. C'est des grosses boules. On n'a jamais goûté. Hein. On n'a jamais goûté. Tous les produits qui sont là, on ne les a jamais goûtés. Ouais, c'est bon. Tu peux renverser. Tu peux les renverser sur la table si tu veux. Peut-être pas tout le paquet. Ouais. Ouais. Vraiment, verser un pour 5 ans. Je vais l'aider un peu. Ouais, on dirait des couleurs. Je prends lui. Allez, va choisis un. Je veux des M&M's. C'est des M&M's. Alors voilà, ça se présente sous forme de petites boules, comme des petites boules de chewing-gum. Donc là, il y a vert, il y a violet, orange, jaune et rouge. Alors moi, je goûte vert. Et mais moi, je goûte... On ne peut pas les croquer. Ah, c'est dur, ouais. Moi, c'est jaune. Alors moi, j'ai pris vert. Mais faut les sucer, bah, s'ils changent de couleur et de goût. Eh ben, pour moi, c'est acide. T'as croqué, toi. Bon, alors, pour le moment, moi, il reste vert. Et ça... J'ai croqué, c'est gassant de... Est-ce que tu trouves le goût de ce que c'est, toi? Moi, j'y trouve. C'est goût bonbon. Goût... Mais c'est pas trop sucré, par contre. Ah, le goût de le truc liquide. Et elle a changé de goût, mais pas de couleur. Ça goût de l'orange, maintenant. Ah, ça goût de l'orange, toi? Vous avez vu, c'est des citrons. Rose. Moi, c'est rose. Elle ne colore pas la langue. Elle ne colore pas la langue. Alors, à mon avis, les amis, pour que ça change de couleur, il faut que ce soit, faut qu'on le laisse dans la bouche un moment. Moi, je peux croquer là. Ah, moi, il était vert. Il est jaune là. Un peu jaune. Oui, ça, à mon avis, ouais, faut les garder longtemps. Orange! Il commence à devenir jaune, mais ça, je pense que. Il commence à devenir orange. Ouais. On fait ça sur le genre de bonbon. Un bonbon, il te dure à peu près 45 minutes.
C'est la boîte économique. Ouais, c'est la boîte économique. Tout ça, t'en as pour deux ans. En plus, c'est pas trop sucré, moi, je trouve. C'est bon, mais la boîte, t'en as pour deux ans. C'est facile. Bah, je viens. On fait des économies de bonbons. C'est facile. Ah là, il va devenir rose, viens, regardez. Voilà. Oh, mais il est orange. Devant, c'est une espèce de poudre. Ah, je sais pas si vous voyez, hein, c'est un peu minuscule. Ah, la poudre, elle est orange. Ouais, bon. Oh, il est orange, bien. Bon, c'est pouce vers le haut ou pouce vers le bas pour celui-ci? Moi, pouce vers le haut parce qu'après, quand on croque, c'est quand même pour moi la poudre, tu sais, dans les colliers un peu. Ah, c'est ça. Ah, oui, c'est ça. C'est bon. Allez, on goûte maintenant les bretzels, tu vois. Au chocolat pour les papas. Oh, ce sont des flips. Ah, les flips, ce sont des bretzels au chocolat. C'est un emballage qui se referme. Ah, c'est cool ça. Il faut le manger tout vite, sinon ça fond. Ah, faut le manger tout vite. Oh, quelle excuse. On va pouvoir faire la demande. Ça sent super bon. C'est le chocolat au lait, hein, ça marche. Le chocolat. Attends, c'est pour les papas. C'est des bretzels au chocolat pour les papas. Non. Ça vous sent bon. J'aime pas le chocolat. Mmh. Oh, moi je sens sûrement. C'est pour les mamans. Ça sent les. Ouais, les nounours s'alimentent, t'as raison. Ah, du coup, tu goûtes pas quoi. Les Mikado, ça sent. Mmh. Tu sais pas. J'aime pas le chocolat noir. Bon, moi il est cassé. C'est pas du chocolat noir, Quentin, c'est du chocolat au lait. Ouais, mais même. Moi je goûte là. Hein. Ah, mais voilà, papa, il en a eu deux. Mmh, c'est bon. Mmh. Oh, c'est super bon. J'en ai mis Mikado, mais en plus croustillant. Voilà. Des flips. Alors moi, je pensais qu'il y aurait le goût sucré du bretzel et pas du tout. Non, salé, tu dis. Ouais, salé, oui. N'importe quoi. T'as goût du raisin. Tu sais, c'est un peu salé quand même. Ouais, peut-être un peu, mais. On dirait du Mikado, mais en meilleur. Des Mikado, en meilleur. Il y a de la noisette dedans. Tu veux pas goûter? Sur un petit bout au micro-bout, regarde. Non? Bon. C'est bon. J'aime pas de chocolat. Je mange pas pour moi. Je veux pas ma gourmande, moi. Voilà. Ah, pousse vers le haut. Pousse vers le haut. Je pense qu'il y a l'unanimité. On mange ça après. Bon, maintenant c'est à papa de choisir. Oh, papa, tu choisis quoi? En dernier. N'oubliez pas qu'il y a les boîtes, c'est mon cigare. En dernier, c'est Shingam. Les boîtes sont aussi. Moi, je vais en faire une bulle si je peux. Non, enfin peut-être un peu, ouais, il fait un peu chaud quand même. Une boisson. Fanta, mais laquelle? Mango. Quelle couleur? Alors, on a des Fanta de différentes couleurs. Mango là. Moi je Mario. Voilà, donc là on a trouvé du Fanta. On va tous les goûter de toute manière, on goûte. Il était violet, il est devenu rose, et maintenant il a le goût de la fraise. Le vert. En premier, ah bah non, c'est pas le même. Le vert, c'est à côté de Nîmes. Pour Océa. Voilà. Oh, ça m'éclabousse la main. Oh, c'est déclabousse. Par contre, la couleur est sympa. Ça y est, donc voilà, la mangue. Ah, ça sent bien la mangue. Ça sent bizarre. Hein. Ça sent la mangue. Je sais pas. La couleur est sympa. Les amis, super bon. Oh, j'adore. Trop bon. Oh, c'est pas sucré. C'est beaucoup plus gazeux. Ouais. C'est pas terrible. Moi j'aime bien. On sent le goût de la mangue, pas trop le sucre. Ouais, non, moi j'aime pas. Moi j'adore la mangue. Moi c'est bien. C'est pas trop le goût de la mangue. J'aime pas trop, non, ouais. Génial, mais bon. Moi j'adore. Non, j'aime pas trop. Moi j'aime pas trop. Par contre, on a le goût de la mangue. Par contre. Mais on dirait un soda qui a été loupé, ils ont oublié le sucre dedans, je sais pas, c'est un peu bizarre. Non, moi c'est bon, j'ai bien aimé. Alors moi choisir, donc ensuite qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? À mon avis, je suis sûre que tu vas choisir ça. Alors moi je vais choisir ça. Même si je pense que je vais pas aimer. Moi je pensais que t'allais prendre ça. Eh ben non, c'est des Ice Breakers Mint. Alors apparemment, ce sont des petits bonbons à la menthe et à la cannelle. Moi je vais l'ouvrir. Alors papa aime bien la cannelle, comme moi aussi. Bon, c'est un jeu, c'est pas trop, mais moi j'ai horreur de ça. Il y a un petit plastique ici. La cannelle. Moi j'aime pas trop, comme toi. Attends, regarde. Là. Ah oui,
Alors, il y a deux ouvertures sur ce paquet. Il y a pour en avoir un seul ou pour en avoir beaucoup. Alors, comment on va pas faire Un seul. Un seul. Allez, bah, c'est là. On va faire les gourmands, pas les gourmands. Allez. Ouf, ça sent la cannelle. J'entends là. Ouf. Mais regarde, mets dans ta main, Louloute. Allez, tu peux en avoir qu'un seul. Bah ouais. Hop là, un seul. Combien, toi? On attend de les goûter. Papa, à mon avis, il va aimer. À mon avis, moi, je vais pas aimer. Bon, je crois qu'on va voir le côté gros. Hein. Ah oui, quand même. C'est quand même un ce côté-là. Alors, c'est super joli. Oh, c'est des petits dragées comme ça. Bah, la tricheur, il a goûté. Ça sent super fort la cannelle. Hein. Ah. Allez. C'est quoi, menthe cannelle, non? Menthe cannelle. Hein. Oh non. Ceux qui aiment la cannelle, je pense qu'ils aimeront. Bon, c'est bizarre quand même. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas. Ben. On dirait un peu le produit que le dentiste il te met sur la dame. Oh, il y a une Jelly Belly goût dentifrice. J'adore. T'aimes bien? Ouais, c'est fort. Oh, c'est fort, hein. Mm. Pardon, non, moi, j'aime pas du tout. Non, je sais pas, moi. Ça arrache ta langue. Oh, ça pique aussi. Alors, les amis, pour moi, c'est plus vers le bas. J'aime pas du tout la cannelle, puis c'est fort. Toi, je pense que c'est plus vers le bas, et vous? Voilà. Moitié pouce, ça existe. Entre ça et ça, c'est la moitié. Moi, moi. Ça, c'est fort. Mon même en plus, c'est fort en menthe. Bon, la menthe, ça me dérange pas trop, mais c'est fort en cannelle. Hein. Oh, bah. La menthe, ça pique après. Hein? Quand ça va. Oh, ça m'a endormi la langue. Oh. Tu sais, c'est le produit du dentiste qui te met. Ah, peut-être que tu vas suivre avec ta boisson, alors du coup, c'est à moi. Tu as à moi. Ouais, c'est à toi. C'est avec toi. Ah, pas du tout, j'ai le goût de la. Tu voulais pas ça tout à l'heure? Attends, c'est beaucoup mieux. Fort, ça pique entre la moutarde. C'est super fort. Il y a un prononcé de cannelle. Mais... Courantelle? Ouais, bah oui, si tu veux. Alors, ça, ce sont. Ah, attends, je vais montrer mon petit copain. Ça, ce sont des Nirtz Robes. Alors, vous connaissez les Nirtz, c'est les fameuses petites boîtes de bonbons de couleurs différentes. Je vais l'ouvrir. On va se trouver en bas. Je vais l'ouvrir. Voilà, vas-y, ouvre-le. T'as déjà commencé à l'ouvrir. Non, on n'a jamais mangé. Hein. Attention, ils vont tomber, Océane. Regarde, c'est juste là, les bonbons. Vas-y. Ça suffit, peut-être. Mais non, c'est une bande en fait. Fais-les tomber. Non, tu peux pas. Ouais. Ils sont collés. Ah bon. Vas-y. Alors voilà, les amis, comment ça se présente. Ils sont collés. Ils sont collés avec quoi? Du chocolat? Voilà, non, entre eux, je sais pas. C'est des chewing-gums? Non, mais non, vaut mieux que tu prennes un bout, Louloute. Comme c'est des chewing-gums, ça? Non, non, ce sont des bonbons. Ah, mais c'est collé sur de la réglisse. Bah tiens, papa, si tu veux. C'est sûr que c'est pas des chewing-gums. Attends, ça Louloute, attends, regarde. Hein? Bah en fait, ça diffère pas tellement des bonbons. C'est qui, hein? Ah, Océane, je crois. Oh non. C'est moi. Ça me t'aime pas. D'accord. Ah. C'est exactement le même goût que les Nirtz dans les boîtes. Hein? Enfin, les Nirtz, pardon. C'est exactement le même goût. Sauf qu'ils sont collés à un morceau de réglisse ou je sais pas, quelque chose de rouge, transparent. Plastique. Un peu, si vous voyez. Non, pas de j'en veux. On va se manger. Bon, bah, on va peut-être regoûter autre chose, Loulou, non? Ce morceau de caoutchouc rouge. Ouais. Tiens, je te redonne un petit bout, mais gros gourmand. C'est vraiment les bonbons qu'on adore. Ouais, alors, qu'est-ce que... Attention. Bon, après, au niveau découverte, moi, pour le moment, hein, parce que ça, en fait, au final, c'est pas une découverte, parce que ça ressemble à ce qu'on connaît déjà. Moi, c'est les bretzels, pour le moment, que je préfère. Alors, on va goûter cela même. Non, c'est à moi de choisir. Ah, non, c'est à toi de choisir. Tu veux choisir quoi? Original fruit. Vas-y, ça. Du Fanta? Lequel? Celui-là? Bleu? Oui. Bleu. Un Fanta bleu. Ben un oui. Fanta bleu, alors c'est le Fanta OB. Donc les B, tout ce qui est framboise, myrtille, mûre, enfin ce qu'on peut trouver dans la forêt. Ouais, j'adore ça moi. Alors j'espère qu'il n'est pas aussi bleu que la bouteille. Je crois que si. Caféine. Pourquoi il y a marqué caféine? Sans caféine. Café une fruit. Oh oui, il est bleu comme le. Je trouve pas trop moi parce que les baies, moi des fois je fais des allergies. Hop. Hop. Bon, moi je pense pas qu'il y ait bon fruit dedans. Hein. Ouais, bon, fais-moi. Voilà. Merci. Et moi je goûte un bout aussi. Oh, j'ai oublié de boire. Ça sent du papier WC. On va boire du papier WC. Mais ça sent bon, ça sent le fruit de. Avec les bonbons qu'on a mangé, moi j'ai plus de goût. Je vais pas dire le goût de quoi ça. Hein? On sent plus avec les bonbons. On
C'est quoi ça le goût? L'eau gazeuse, on dirait. Non, ça a le goût des boissons japonaises. Ah oui, les bouteilles. Larmine. Larmine, on éclate la bille, ouais. Ça a le goût là un peu. Ça se rapproche de ça. Non, mais c'est exactement le même goût. Ouais, c'est le même goût. Hein. La couleur, elle est pareille dès que tu prends la bouteille bleue. Parce que bon, par contre, c'est pas aussi sucré que ce que je pensais. Hein. Ouais, une Fanta. Moi, j'adorais, Alors oui. Ensuite, c'est à qui de choisir, c'est à papa. C'est à moi. Alors moi, je vais goûter ça parce que ça, il y a des bonbons. Cerise, citron, fraise. Ah ben encore citron, c'est bizarre ça. Non, citron vert. Ah, citron vert et orange. Et apparemment, alors regarde, c'est marqué dessus. Regarde, je vais vous montrer le paquet déjà. Original fruit. Voilà, donc montre le paquet, il n'y a pas habitude, le papa, pour la dégustation. Donc voilà, ce sont des fruits naturels, c'est pas des... ça <m'a l'air. rire> Ce ne sont pas des goûts artificiels. C'est vraiment fait avec du vrai fruit. Donc bah, tu peux. Moi je l'ai montré et je monte dans ce sens-là aussi et dans ce sens-là, voilà. Et aussi comme ça et aussi comme ça. Voilà, j'ai montré toutes les côtés. Alors ce sont des bikes purs quoi. Des bikes purs fruits. Bikes pure bike, non pure like. Voilà, par contre, l'emballage est très dur. Là, il n'y a pas d'emballage facile, d'ouverture facile. Ah bah, on est aux États-Unis là. Même pas les ouvertures faciles en France. Bah, dites-nous dans les commentaires si les ouvertures faciles qu'on a en France, on les trouvait si faciles que ça. Facile. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Hop. Oh, de gros Jelly Belly. Oh, Jelly Belly. Attention, c'est pas des machines comme ça non. Encore. Non, non, non. Pas, hein. Non, c'est super. Moi, j'en mange pas. Moi, j'en mange pas sinon. Hein. Oh, on dirait les gélules de Docteur Mario. Je vous laisse goûter, moi. Ah, moi je prends 13. Dragibus. Je prends mon Dragibus. Et moi j'ai pris l'orange. C'est trop bon. Ça ressemble au Dragibus, mais beaucoup plus le goût du fruit en fait. Ça a le goût de la mandarine. Moi j'ai pris fraise, c'est succulent. La mandarine, il n'y a pas, c'est orange. Ouais, c'est orange à mon avis. Citron, j'adore. Ouais, c'est super bon ça. Et le goût de mandarine. Là, par contre, ça s'enchaîne, hein, du coup. Bah, je trouve que c'est même meilleur que le Dragibus et ça colle moins dedans. Voilà, je vais goûter le deuxième que j'ai pris, orange. Bon, ouais, c'est bon ça, franchement ça. Orange, j'ai le goût de la mandarine. Tu sens bon le citron, dis donc. C'est le rouge cerise. C'est rouge cerise. Très bon. Alors, c'est à qui de choisir? Non, c'est à moi. Alors, à moi, qu'est-ce que je vais choisir? Alors, moi, je vais choisir des Twizzler Rips. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, hein, désolé. Alors, ça, c'est comme les longues réglisses, comme ça, très très longues, effectivement, mais là, c'est en morceau. Donc, bah, je vais l'ouvrir. Ça je vais l'ouvrir. Non, j'en prends un. Tu y arriveras pas à l'ouvrir. Alors, j'ai pris deux. Ça sent fort. Ça sent la pâte à modeler. Ah oui, ça sent la plaido. Ah, peut-être que c'est la pâte à modeler. Vérifie que ça se mange. Peut-être que la plaido, c'est aromatisé à la cerise en fait. Effectivement, c'est la pâte à modeler plaido, mais ça sent bon du coup. Non, ça fait pas ça. Tu dirais l'orgeat. L'orgeat dedans, non? Mais ça a le goût du sirop de l'orgeat. Ouais. Même que. Il n'y a pas marqué orgeat là, regarde voir. Non. Ça a le goût de l'orgeat. C'est écrit minuscule. En fait, dès que je sens, et ben, ça a le goût de l'orgeat. Eh oui. En fait, c'est on dirait de l'orgeat avec un léger goût de cerise, mais vraiment léger. Ça a vraiment le goût de l'orgeat, hein. Ça a beaucoup le goût de l'orgeat, ça a pas vraiment le goût de cerise. Ça, c'est pas ça. Enfin, moi, j'aime pas l'orgeat. Moi, j'aime bien, moi. J'aime pas l'orgeat, donc. Même l'odeur, ça sent l'amande, en fait, ça sent. Ça sent l'orgeat. Ouais. Oui, ben, l'orgeat, c'est de l'amande, là. Ça sent la colle Cléopâtre. Non, moi, j'aime bien, moi. Ouais, la colle Cléopâtre, moi. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de goût, j'aime pas. Ça n'a pas de goût, tu trouves pas? J'aime pas. Alors, un c'est la colle Cléopâtre, l'autre c'est la pâte à modeler. On va se demander si ça se mange à la fin. Après... Alors, c'est à qui tu choisiras? Papa, je crois, non? Océane? Ouais, elle est Océane. La boisson. Alors, un Fanta. La boisson. Alors, un Fanta grappe. Alors, le Fanta la grappe, ça veut dire bien. Elle a pris violet parce qu'elle aime bien le violet, la couleur. Raisin, voilà. Raisin. Donc, du Fanta, raisin. Alors, j'attends de voir. J'aime bien. C'est du vin, ça. Voilà. Alors c'est tous sans caféine, il y a marqué caféine free dessus, ça veut dire sans caféine. Bon alors ça va être pas si violet que là. Est-ce oh que... oui, oh, j'ai jamais vu de boisson si violette. Oh, c'est bon. On va voir
langue violette après. On va faire des caca de licorne après. Avant de manger toutes ces couleurs, regardez les amis comme c'est la couleur. C'est la robe de réponse. Ouais, la robe de réponse, oui, on voit la robe de réponse. Arrête de tout boire d'un coup. Déguste, Corentin, il boit tout d'un coup. C'est normal. Ouais. Ça a le goût, ouais, pas vraiment, pas forcément mauvais. Hein. Avec les bonbons, on a plus de goût. Moi j'ai plus si, de goût. Si, moi j'ai le goût, mais. Moi aussi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Ça n'a pas forcément un goût de raisin. Hein. J'ai plus de goût. Je trouve que les goûts des Fanta, ils sont moins prononcés que ceux au citron ou à l'orange. Eh, c'est noir. Non, merci. C'est noir en dessous. J'ai imaginé, celui-là, ça va aller. En dessous, c'est pas terrible du tout. Mais t'as tout ça n'a rien goût. Par contre, c'est plus des altérants qu'un Fanta normal. C'est moins sucré, ouais. C'est des light, non. Maman. Même pas. Tiens. C'est fait par Coca-Cola, hein, mais maman. C'est pas light. Hein. Non, non, bon. Maman, c'est à moi de choisir. Ouais, bon, j'aime bien. C'est à toi de choisir. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Bon, j'en boirai pas. C'est à toi de choisir. Moi, j'ai choisi ça. Eh oui, elle a choisi la boisson, c'est à toi, Corentin. À toi. Il n'y a plus grand chose. Hein. Il y a ça, ça, et les basilicas qu'on va garder. Et ça, oui, j'aime bien. Alors, ça, allez. Alors ça c'est des Mentos. Ah, regarde, je montre un petit coup de Mentos à la cerise. Oh, des Life Savers à la cerise. En fait, c'est des Mentos. Et ça, maman, il manque un petit. Hard Candy. Pourquoi Hard Candy? Pourquoi Hard dessus? J'espère que c'est très sucré. Et ça, qui manque à goûter. Hard Candy, ah, très sucré. Ah, peut-être. Il manque à goûter ça. Oui, on va goûter ça après ma nuit. Là, pousse comme ça, t'as plus là. Il va sortir. Avant. Je vais l'ouvrir parce que ça a l'air compliqué. Oh, ils ont encore les emballages comme à l'époque, hein, je trouve, contre les Américains. Les trucs qu'on ouvre comme les Malabar, les vieux. Enfin. Oh, pour mon siffler ? Ah, il y a un trou au milieu. Ouais. Voilà. On va essayer de siffler avec. Hop, un pour toi. Ah, bah, il faut goûter en fait. Un pour Océane. Pas aller, toi. Non, c'est pas le moment de siffler, ça ressemble. C'est très bon. C'est la cerise. C'est le goût de la cerise. T'as pas seul, tu peux l'avaler en faisant ça. Alors, ça marche comme les Mentos, vraiment, sauf qu'il y a un trou au milieu. Donc, je montre les amis. Dans un Mentos avec un trou. Mais, un bonbon acidulé. Pas, non, ne faites pas ça parce que c'est dangereux. Alors, c'est un bonbon acidulé. Mais moi, j'ai sifflé. Non. Non. Mais c'est les bonbons japonais qui sifflent. Mmh, c'est bon. Non, c'est des bonbons du monde. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Par contre, oui, c'est très sucré, oui. Manger. Ouais, on va voir le sucre, oui, c'est je me bats ça. J'adore. Oh, du coup, du fait qu'il y a un trou au milieu, on n'arrive pas à bien le. Moi ça me gêne qu'il y a un trou milieu. Mais non. Ça va pas. Mmh, c'est super bon. Bon, c'est un bonbon acidulé. Un bonbon dur. Bon, acidulé, acidulé, pas trop. Non mais on appelle les bonbons acidulés ceux qui sont durs comme les, comme les trucs de la piquichante, des choses comme ça là. Ils sont un peu acidulés. Bon. Comme les sucettes, voilà. Ouais. Ouais, ça. Ça le goût des sucettes à la fraise. Super bon. T'as pas quand tu crois que c'est un peu acide. Et maintenant les Tic Tac. Non, et ceux-là aussi, non? On a ouvert ça. Ça, sont des chewing-gums, on va peut-être les garder pour la fin. Ah oui. Bon, alors qu'est-ce que tu veux, papa? Les Tic Tac. Ah, j'ai voulu. Moi, j'ai déjà ouvert. Alors, les Tic Tac, bien sûr, ou Piña Colada, donc c'est ananas, noix de coco. On n'a pas en France. C'est dommage, d'ailleurs, des fois. Ouais. Je veux ça en France, je veux ça en France et je veux pas ça en France. Et je veux ça en France et je veux ça et je veux ça. Et tu veux tout ou quoi? Et je veux ça. En fait, tu veux tout sauf ça. Ouais, en fait, voilà. Ton maman, il veut tout. Moi, je veux ça. Et ça. Tiens. Et ça. Non, non. Et ça. Deux. Ouais. Moi, deux. Ouais. Un plus. Merci. Oh oh oh! Ah, les Tic Tac, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Les Tic Tac sont des Tic Tac blancs, bien sûr. Mmh. Oh,
le tricheur, j'en ai voulu un maman. Le goût de noix de coco. Ton goût marron. C'est le goût de les Simsam. Non, pas du tout. Après, c'est bon. Oh, par contre, les Tic Tac, ils sont tout mous. Contrairement à nous, chez nous. Ils sont durs. Ils sont acides au milieu. Super bon. Ils sont acides, mais après, ils sont bons. Mais la noix de coco acide au milieu. Mmh, c'est bon. Et il y a de la menthe. Par contre, je pensais qu'il n'y avait pas du tout le goût de la menthe, mais en fait, il y a le goût de la menthe aussi dessus, un peu comme les Simpsons, oui. Où il y a un goût, le goût du bonbon et ensuite la menthe. C'est bon. Du coup, on a trois goûts dans un minuscule bonbon. Ça a le goût de. Ça a le goût d'honneur. Donc, voilà. Voilà, à quoi ça ressemble. Allez chez Glups, ils vendent ça. Ouais, chez Glups, oui. Si vous avez les Glups, c'est partout dans toute la France entière. Donc, ils vendent des bonbons américains. De les commander sur internet. Où ils sont au Glups dans le centre? Ben nous on est allé, oui, on est allé chez Glups dans le centre de Nîmes. Bien sûr, ce n'est pas une vidéo de placement de produit. Hein, on a tout acheté. C'est excellent. Mais voilà, donc si vous avez l'occasion d'avoir un Glups chez vous et que vous pouvez pas, ou vous voulez pas acheter par internet, ben vous pouvez très bien vous fournir, acheter des produits. Non, celui-là. Et c'est tout. Allez, on ouvre lequel des deux? Le. Oui, parce que oui, c'est pour faire. Ouais. Océane, choisis la boisson. Ils sont gros, les fraises. Bah oui, forcément. Allez. Voilà, on va goûter un Fanta à la fraise. Il est tout rouge. J'espère qu'il va être aussi rouge. Bah, je pense qu'il va être aussi rouge en fait. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de caféine, mais à mon avis, du colorant, il y en a. Ah, il est plus rouge. Ouais. Il a déjà pchité là, tout rouge. Oh là là. Oh là. Rouge fou. Rouge fluo. Ouais, mais remarque, la fraise, quand tu es fraise. On dirait du sang. Oh, mais ce n'est pas la poisson de vampire quand même, ça. Non. Ça n'a pas tellement le goût de la fraise. Et par contre, au départ. Ah, c'est vraiment light. Hein. Ouais. Comme on a ça dans la bouche. C'est bon, mais on dirait de l'eau gazeuse aromatisée. Oui, mais de toute manière, marqué ne contient aucun jus. Donc voilà, donc comme ça, on sait que c'est tout artificiel. Ça va plus te le verser. Bah, je voulais. Je voulais boire. Je sens la catastrophe arriver. Non, c'est bon. Tu veux le boire? Ouais. Je veux le boire. Tiens. Bah d'accord. Il est trop bon. Ouais, c'est pas flagrant le goût. Hein, pas flagrant. Donc. Moi, je suis un peu déçu les Fanta quand même. Moi, j'adore. Ah, oh, c'est bon. Attends, on va goûter la dernière boisson. Et puis après, mais on ça ressemble aux boissons asiatiques. C'est moi qui vais les ouvrir. Oui. D'abord, alors, on va goûter la dernière boisson. Ben, on va goûter le dernier Fanta. Le dernier Fanta, c'est pineapple qui veut dire. Ah non, je croyais que c'était orange. Bon. Pineapple, ça veut dire. Ananas. Bravo, Corentin. Mais ça, c'est un. Moi, j'en sais pas. Et orange. On peut pas t'arriver. D'abord. Alors. Et en plus, c'est le Fanta normal. Ah, j'ai l'impression que ça sent meilleur que les autres. C'est peut-être celui qui sent le plus. Non, c'est le meilleur. C'est le meilleur des cinq. Mais bon, la mangue, j'ai bien aimé aussi. Hein, ça va quand même le goût. Moi, je n'aime pas la mangue. Moi, je préfère le baie bleu. C'est moi qui ouvre. Je vais faire une bulle en vidéo. Et puis, il est plus sucré. Ouais. Alors. Bon, alors, si je préfère une bulle, je vais essayer. Mais le sucre fait ressortir le goût comme le sel fait ressortir le goût. Donc, du coup, on a je vais voir s'il y a une petite encoche déjà. Là. Non, ça, ce sont des. Alors, attends, on va montrer au petit copain. Ah, ça, ce sont des Original Bazooka. Alors je crois que ce oula, sont... ça va être fort ça. Non, je pense que ce sont comme nos malabar à nous. Bazooka. Je crois. Et tire, bravo. Si tu achètes ça, il n'a pas fini. Ouais. Oh, mais elle est vide la boîte. Ils ont mis qu'au fond. Tu veux rentrer dedans? Ils en ont mis qu'au fond. Oh, oui. Oh, c'est les malabar. Les malabar. Merci. Oui. Ben non, tu changes voilà les papiers. Voilà quoi ça ressemble les amis. Ça ressemble un peu à nos malabar ou aux vieux bonbons. Alors attends. Il y a malabar. Alors là, je parle pour le papier de Corentin et Océane. Qui, quand il était petit, il mangeait des chewing-gums avec les tickets gagnants dedans. Voilà. Donc des fois, il y avait un ticket gagnant dedans. C'était si on avait gagné, on avait gagné un autre chewing-gum. Oui, mais ça sent les chewing-gums qu'on a achetés quand j'étais petit. Et c'est ce que je te dis, avec les tickets gagnants dedans. Ouais. C'est ça. Oui, c'est exactement le même. Ouais. Essaye de faire un rap en utilisant ces mots. Horseshoe, chaussure de cheval, boubou, miss you ou kangourou. Il faut essayer de faire un rap avec ces mots. Mais c'est pas tous pareil, hein. Moi c'est autre chose. Hein. Alors Océane, c'est... boubou.
Bobo Kogoro. Il faut inventer un, en fait, ce sont que des... D'accord. Moi, c'est pas en français. Comic book, super hero, men after animals. Donne 10 bandes dessinées avec des super-héros qui ont un nom d'animal. En fait, ce sont des actions, des énigmes. Voilà, c'est, non, en fait, c'est un jeu pour faire entre nous des défis. Voilà, ce sont des défis. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Et après, chaque petite étiquette a un petit code à rentrer sur Internet. Donc, voilà. Donc, voilà. Super bon, je suis comme... Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez préféré? Moi. Voilà. Moi, voilà, les chewing-gums. Là, les chewing-gums. Moi, les bonnes salles au chocolat. Les chewing-gums et... Moi, ça. Et après, si on avait une boisson, moi, ce serait quand même l'ananas. Ouais, moi aussi. Non, par contre, moi, je l'adorais bébé bleu. Par contre, petit inconvénient, il y en a beaucoup, ils sont collés. Par deux. Normal, on les a achetés. On les a achetés quand on a fait le sol, c'est de la lave. Et il faisait quand même presque 40 degrés, donc sinon... Moi, je préférais ça en boisson. Je préférais ça. Alors, Quentin préférait le bleu. Après, ça. Fais une bulle. Et ça. Fais une bulle. Moi aussi. Moi, j'ai préféré l'ananas et ça. Comme maman. On a le même goût. Et ils font des bulles, en plus, ces cheveux. C'est super. Ils font des bulles. Ça, c'est bon. Très bon. Allez Loulou, c'est la fin de cette dégustation. Bah, alors dites-nous quel produit avez-vous déjà goûté. Dites-nous si vous avez déjà goûté un de ces produits. Ou si vous avez déjà mangé les produits américains, quel est votre préféré. Et puis les loulous, comme on va devoir se quitter, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on dit ciao, ciao, ciao. Bisous les amis. Oui.